Oh, bienvenue mes petits poissons, vous êtes bien sur le navire de Scary Captain. Et aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve sur Undertale avec Félindra. Bonjour, cher Moussaillon. Félindra qui connaît très très bien Undertale, qui est la meilleure seconde assistante pour m'accompagner dans cette aventure d'Undertale. Alors on y va, on venait de battre, entre guillemets, Toriel, et on terminait le chemin dans les ruines, et on sort enfin des ruines. Regardez, le sol devient de plus en plus clair. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Une porte. Eh bien, on y va. Allons-y. On retrouve la fleur du début. Ah oui. Intelligent, très intelligent. Tu penses que tu es vraiment intelligent, n'est-ce pas? Dans ce monde, c'est tu tué. Ou soit oui, tué. Quand tu étais capable de jouer en jouant avec tes propres règles, tu as épargné la vie d'une seule personne. Froggy, Twinson, Vegetoid, Lux, Migobs, Moldmal. Pense à tous ces noms. Est-ce que tu penses que ces monstres ont des familles? Est-ce que tu penses qu'ils ont des amis? Chacun d'entre eux aurait pu être le Toriel de quelqu'un d'autre. Espèce de petit insolent égoïste. Quelqu'un est mort à cause de toi. Et parce qu'on a tué une personne au début. Cette méchante fleur. Vilain Flowey. Bon. Combien de points de vie on a? 4. On va attendre un point de sauvegarde. On va attendre un point de sauvegarde, oui. Undertale, c'est la fin du jeu! Non, ce n'est que le commencement. Par Toby Fox. Toby! Qu'est-ce qui se passe, Félindra? On est sorti. Inspectez le buisson. Il y a une caméra cachée dans le buisson. Ah bon? Eh oui, on se fait observer. Mais par qui? Ça, on le découvrira plus tard. Mais je laisse pas de traces dans le sol. Il y a plein d'arbres. C'est la forêt. Mais est-ce que là aussi, il faudra parler aux ennemis et tout pour les... Ou faudra combattre? Pour les épargner? Oui, il faudra toujours essayer d'épargner. Il faut aussi une branche qui a l'air très solide. C'est trop lourd pour être soulevé. Oui? Elle a été cassée. Quelqu'un a marché dessus, nous ne sommes pas seuls. Ça a été brisé comme... Si ce n'était rien. Alors qu'on ne pouvait pas la soulever. Tu as vu? Non. Il y avait une petite ombre. J'ai pas vu, j'ai vu que les arbres. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, elle est là. Elle arrive. Clic, clac, clic, plouc. Humain, est-ce que tu ne sais pas comment accueillir un nouvel ami? Tourne-toi et serre ma main. Attention. Oh! Et c'est Sans! Mais c'est un paix. Ah, il nous a fait une blague, il a mis un coussin péteur dans la main. C'est toujours drôle. En tout cas, tu es un humain, n'est-ce pas? C'est hilarant. Je suis sans. Sans le squelette. Sans! Par pitié! Je m'appelle Sans. C'est écrit sans. Je suis supposé surveiller les humains maintenant. Mais tu sais, je m'en fiche un petit peu de capturer quiconque. Maintenant, mon frère, Papyrus, c'est un chasseur d'humains fanatique. Et en réalité, je pense que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Contourne cette porte, là-bas. Ouais, va à travers. Mon frère a fait les barreaux trop larges pour stopper quiconque. C'est dommage. Vite, derrière cette lampe qui a vraiment une forme très 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 convenient. Oh! La forme parfaite. Waouh. Ah, qu'est-ce qu'il y a, frère? Tu sais ce qui se passe, frère. Ça fait 8 jours et tu n'as toujours pas recalibré tes puzzles. Tu restes ici, dehors ta station. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben, je regarde cette lampe. Elle est vraiment très cool. Tu veux la regarder? Mais c'est qu'il essaie de nous dénoncer! Je n'ai pas le temps pour ça.
Et qu'est-ce qui se passerait si un humain arriverait ici? Je veux que tout soit prêt. Je veux être l'élu. Je dois être l'élu. Je veux capturer un humain. Ensuite, le grand Papyrus aura tout ce qu'il mérite. Le respect, la reconnaissance. Je serai enfin capable de rejoindre la garde royale. Les gens vont demander d'être mes amis. Et je vais me baigner dans une baignoire pleine de bisous tous les matins. Peut-être que cette lampe va t'aider. Sans. Qui es-tu, essaye. Est-ce que tu n'aides pas du tout, hein, petit feignant. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est rester assis et laisser passer le temps. Tu deviens de plus en plus feignant chaque jour, chaque jour. Hé, calme-toi. J'ai eu plein de travail aujourd'hui. Pourquoi tonne cet enjeu? J'ai une tonne de travail aujourd'hui. Pourquoi tonne cet enjeu? Eh bien, une squelettonne. Waouh. Des blagues incroyables. Sens. Comment? Tu es en train de rigoler. Oui, et je déteste ça. Ah, pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi génial que moi doit faire tout ce qu'il faut comme ça pour avoir un petit peu de reconnaissance? Oh, on dirait que tu es vraiment en train de... tu es en train de t'user jusqu'à l'os. Bon, je vais à mes puzzles. Quant à ton travail, fais-en un petit peu plus. Non, mets un petit peu plus de colonne vertébrale dans ton travail. Gnie. Oui, l'essaye de faire les blagues. Ok, tu peux sortir. Voilà. Tu dois y aller. Il va peut-être venir. Et s'il revient, eh bien, tu devras écouter encore plus de mes blagues aussi hilarantes que ça. Il y a un checkpoint ici. Il y a des bouteilles de ketchup, de moutarde, du relish. Ok. En réalité, je ne veux pas t'embêter, mais est-ce que tu peux me faire une petite faveur? J'étais en train de penser, mon frère, il va pas très bien en ce moment, il n'a jamais vu d'humain avant, et te voir pourrait vraiment lui faire sa journée. Ne t'inquiète pas, il n'est pas dangereux, même s'il essaye de l'être. Merci un million de fois. Je serai en avant. Mais il va en arrière. Oui, ça c'est son truc. Oh. Oui. On a récupéré tous les points de vie. Il y a une boîte, on l'ouvre? Oui. Ceci est une boîte. Tu peux mettre à l'intérieur ou prendre un objet. La même boîte va apparaître plus tard. Ne t'inquiète pas à propos de revenir en arrière. Ah, sincèrement, un homme qui aime les boîtes. Utilise la boîte? Oui. Bien sûr. Il y a un gant. Ok. Je te conseille de mettre le Spider Donut dans la boîte. Voilà. Et de ne pas le sortir jusqu'au moment où je te dirai. D'accord. Droite ou en haut, Félindra? Eh bien, en haut, après que nous aurons battu ce... Un Snowdrake. Alors, Snowdrake. Je crois qu'il faut rigoler. Ah. Tu rigoles à Snowdrake avant qu'il n'ait plus la chance de dire quelque chose de drôle. Ok, pourquoi tu rigoles comme ça? Pour rien. Youhou! Non. Rigoler. Tu rigoles. Pourquoi est-ce que tu rigoles comme ça? Bon, peut-être qu'il faut faire une blague. Ok. Tu fais une mauvaise blague. J'ai déjà entendu cette blague. Encore une blague? Encore une blague. Tu fais une mauvaise blague. Est-ce que c'est supposé être drôle? Encore une blague? Tu fais une mauvaise blague. Haha, bien essayé. Il a des réactions différentes, donc ça veut dire que ça marche. Ha ha ha, bien essayé. Bon, on va essayer de rire. Et heckle, ça veut dire quoi? Tu fais bouh! Ah! Cela ne va pas être drôle. Check, allez. Snowdrake, c'est un comédien qui... Ah, donc il faut rire. Ah, il faut rire.
parce qu'il veut garder son public. Le crayon. Tu rigoles à la blague. Ah, tu vois des rires. Papa avait tort. Voilà, tu as gagné enfin. 12 points et 12 pièces. En haut ou en bas, t'as dit? En haut. En haut, Félindra. Oh, une canne à pêche. C'est une canne à pêche fixée sur le sol. Est-ce qu'on la tire ou pas? Oui. Yes. Tout ce qui était attaché, c'était une photo d'un monstre bizarre. Appelle-moi, voici mon numéro. Tu décides de ne pas appeler. À droite? Allez. Peux pas. Non, il faut aller en bas et ensuite à droite. Oh, oh, oui, mais bon. Ils sont là. Alors, comme j'étais en train de te dire à propos de Undine... Undine. Oui. Wow, 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 wow. 360. Sans. Oh mon dieu, est-ce que c'est un humain? Ah, il y a une boule par terre. En réalité, je pense que c'est un rocher. Oh! Hey! Qu'est-ce qu'il y a devant le rocher? Oh mon dieu! C'est un humain. Oui! Oh mon dieu! Sans! J'ai finalement réussi! Undine, va! Ah! Je serai tellement populaire, populaire, populaire! Humain, tu ne dois pas passer dans cette zone. Moi, le grand Papyrus, je vais te stopper et je vais ensuite te capturer. Et tu vas être livré à la capitale. Et ensuite? Eh bien, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Bon, dans tous les cas, continue seulement si tu l'oses. Bien, cela s'est bien passé. Ne t'en fais pas, mon enfant, je vais garder un œil sur... Une orbite ouverte pour toi. Ah, lui qui n'a pas de yeux. Oh mon dieu, aidez-moi. J'aimerais commander une pizza avec... comme garniture. J'aimerais qu'il soit copié. Je les ai copiés, tu peux les juste les coller. N'importe quoi. Ton téléphone est trop vieux pour recevoir des SMS. Ça lit à voix haute, caractère par caractère. Un dessin en ACI d'une fille chat. Clique. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai jamais vu ça de tout Undertale. Il y a une petite narration. Tu observes ici la station vraiment bien construite. Tu te demandes qui a bien pu construire ça. Je pense que c'était ce garde royal si populaire. Note, pas encore un royal garde si populaire. C'est Papyrus. Alors, Ice Cap, lui... Il faut l'ignorer. Ah bah je l'ignore. Tu arrives à garder tes larmes. Garder tes yeux en dehors du chapeau. Hello. Mon chapeau est en haut. Ce monstre est très fier de son chapeau. Visiblement. Elle adore son chapeau. Je t'ignore. Tu continues de ne pas regarder le chapeau. Il a l'air battu. Ok, je t'ignore aussi. Wouh. Bah, c'est pas ignoré, ça. Mais bon. Et voilà. 13 pièces d'or. Oh. Il n'y a absolument aucun mouvement. Oh, bouge pas. Est-ce que quelque chose a bougé? Est-ce que c'était mon imagination? Je peux seulement voir... Quelque chose qui bouge. Si quelque chose était en train de bouger, par exemple un humain, je ferais en sorte qu'il ne bouge jamais. Ok, Dogo a bloqué le chemin. Eh bien, je vais le caresser. Allez, c'est un chien, après tout. Oh non, Dogo est trop suspect de nos mouvements. Ne bouge pas. Ok. Quand c'est bleu, il faut pas bouger. Dogo ne trouve rien. Allez, on te caresse. Ah, il a l'air content. Quoi? J'ai été caressé? Ok. Pot. Ah bah non, c'est bon. Voilà. Oh, 30 pièces d'or. Quelque chose m'a caressé. Quelque chose qui ne bouge pas. Je vais avoir besoin d'un petit gâteau pour chien. Ok, salut. Quelqu'un a fumé des gâteaux pour chien. Fumé. Bon. Très bien. Il y a quelque chose qui est important de retenir.
Mon frère a une attaque très spéciale, elle est bleue. Si tu vois une attaque bleue, ne bouge pas, il ne te fera aucun mal. Voici un bon moyen de garder ça dans ta tête. Imagine un signal stop. Quand tu vois un signal stop, tu stops, n'est-ce pas? Il est rouge. Eh bien, imagine que c'est un signal stop bleu. C'est simple, n'est-ce pas? Quand tu te bats, pense... Oh, pff, il le met en jaune en plus. Whoop. Oui, bah, j'aimerais voir ça. Hop. Au nord de la glace, au sud de la glace, à l'est... À l'ouest de la glace. De la glace partout, n'est-ce pas? Et à l'est. Va la glace. Snowdin. On va la où? Glace. Felindra. Allons en haut. Wouh! Tu es le bonhomme de neige. Hello! Je suis un bonhomme de neige. Je veux voir le monde, mais je ne peux pas bouger. Si tu es gentil, petit voyageur, s'il te plaît, prends un bout de moi et amène-moi très 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 loin. Oui? Allez. Merci et bonne chance. Tu as eu un morceau de bonhomme de neige. Bon. Voilà. Donc on a de la neige dans l'inventaire maintenant. Un morceau de bonhomme de neige. Ah, les frères. Tu es si feignant. Tu as été en train de faire la sieste toute la journée. Non, je pense que ça s'appelle dormir. Des excuses, des excuses. Oh, oh, l'humain arrive. Bon, pour t'arrêter, mon frère et moi, on a créé des puzzles. Je pense que tu vas trouver ce puzzle assez choquant. Parce que tu vois, c'est le labyrinthe électrique invisible. Quand tu touches les murs de ce labyrinthe, les orbes vont t'administrer un zap électrique qui va te faire mal au cœur. Ah, ça a l'air fun. Parce que, eh bien, en fait, plus tu vas avoir de fun, eh bien, c'est très petit, en fait. Hein. Bon, tu peux aller en avant, maintenant. Ah ah. Sens. Qu'est-ce que tu as fait? Je pense que l'humain doit toucher l'orbe. Ok. Waouh. Tiens ça, s'il te plaît. Ok, essaye maintenant. Voilà. Incroyable, petit escargot glissant. Tu as résolu ça si facilement, trop facilement. Cependant, le puzzle suivant ne sera pas si facile. Il a été designé par mon frère, Sans. Tu vas sûrement être confus. Je sais que je le suis. Nya 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 nya. Hey, merci. Mon frère a l'air d'avoir beaucoup de fun, de s'amuser vraiment beaucoup. Est-ce que tu as vu l'étrange vêtement qu'il est en train de porter? On a fait ça il y a quelques semaines pour une fête costumée. Il n'a rien porté depuis. Porté d'autre. Il appelle ça son corps de combat. Est-ce que mon frère n'est pas cool par hasard? Oh, c'est qui? C'est qui? C'est un vendeur de glace. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à les vendre. C'est parfait pourtant le temps pour vendre quelque chose de si glacé. Oh, un client! Hello! Est-ce que tu veux acheter de la glace? Une ice cream. Ah. Parce que c'est nice, c'est gentil. D'accord. C'est seulement 15 gold. On achète? Oh, ça rend pas mal de PV, on peut. Yes! Voici. Passe une bonne journée. Tu as eu un ice cream. Oh. Faut faire quoi? On peut jouer avec la boule. Ouh! Formidable. Bon. Lui encore? J'ai pensé à moi aussi vendre des petites gourmandises. Est-ce que tu veux de la neige glacée? De la neige frite? Non. C'est 5 gold. Faut l'acheter ou pas? Essaye! Est-ce que j'ai dit 5G? J'ai dit 50G. Allez, vas-y! Non! Si. Oui! Vas-y! Vraiment? Et pourquoi pas 5000G? Allez, vas-y! 50000G! C'est mon offre finale! Quoi? Tu n'as pas l'argent? Hey! C'est pas grave! Je n'ai pas de neige, de toute façon. Faut aller à droite ou en bas? En bas, je crois qu'il y a rien. Mais je suis pas sûr. Oh. Ah bah non, c'est ici où il y a justement les deux maisons. Et en bas, à la suite du chemin. Donc faut aller en bas? Donc faut aller en bas. Mais tu peux lire vite fait les panneaux. Ah, on sent le danger. Snow smells snowman white writing can become yellow writing. D'accord. Des
des trucs qui ne sont pas suspicieux, ça devient bleu. Et des humains qui sentent bizarre, ça devient vert, mais c'est écrit rouge. Bah oui, parce que c'est des chiens, les chiens sont daltoniens. Bah ah, une boule. On dirait une boule de neige. En fait, c'est un décagone de neige. Il y a un trou. S'il pourrait mettre la boule du début. Ah. Et on gagne quelque chose? On peut gagner un peu d'argent si on arrive à le faire très vite. Tada. Oh, 3G. Bah écoute, c'est toujours ça de prix. Oh, humain! J'espère que tu es prêt pour... 100. Où est le puzzle? Mais il est juste là, sur le sol. Crois-moi, il n'y a aucun moyen qu'il passe ce puzzle. Oh! C'est des mots mêlés. D'accord. Il faut le faire? Non. Ok. Sans! Ça n'a rien fait. Oups! Je savais que j'aurais dû utiliser les mots croisés d'aujourd'hui plutôt. Quoi? Des mots croisés? Je ne peux pas croire que, ce que tu viens de dire. À mon avis, Junior Jumble, c'est sûrement le plus difficile. Quoi? Vraiment? Ce petit mot fléché, si. Mais c'est pour les bébés os! Incroyable! Humain! Résous cette dispute! Qui est le plus dur? Jumble ou Crossword? À qui on donne raison? Le plus dur, on n'a qu'à donner raison à Papyrus, ça va le mettre content. Donc on met Jumble. Allez, vas-y. Ha! Oui! Les humains doivent être très intelligents, s'ils trouvent aussi que Jumble est si difficile. Nya 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 nya! Ok. Des spaghettis, mais un point de sauvegarde. Et c'est ainsi que va s'arrêter cette vidéo de Undertale. Cette première vidéo dans la neige, dans la suite, en dehors des ruines. Est-ce que ça vous plaît toujours, Felindra? Ok, oui. Et on espère que ça vous plaît également. Alors, si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires, de laisser un max de likes. Abonnez-vous pour faire grandir le navire. D'ici la prochaine, ma petite poiscaille. Bye!